pour du LP, j'espère que vous allez bien tranquillement, on se retrouve sur le LP. J'en ai marre de dire tout le temps la même chose en fait, c'est fou. Donc, j'espère que vous allez bien, c'est des épisodes d'avance, hein, je préfère vous le dire d'avance. Des épisodes d'avance pour vous le dire d'avance, oui, 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 mais quand vous le regardez, bah moi j'aurais peut-être fait autre chose. En fait, pourquoi je record au fur et à mesure du temps, c'est surtout parce que Ethan est parti au boulot, donc du coup, il me dit, profitez-en pour record. Donc du coup, ce que je fais, bah je record en avance, voilà, tranquillement. Et j'irai enlever un mode, le mode du ciel là, parce que à cause de ça, en fait, les frames descendent à une vitesse grand V. J'ai remarqué ça, c'est un petit peu chiant, hein, faut dire ce qui est. C'est un petit peu chiant, donc du coup, je vais faire ce qu'il faut. Faudrait que je prenne juste les deux quarts de là et que j'en attende deux comme ça. Ah, ça va plutôt vite en fait. Tac, voilà. Hop, card, et j'envoie le tin là, pour que ça soit en fait récoltable directement comme ceci. Voilà, lui, faut que je le remette en bas, c'était à lui, hop, voilà. En fait, c'est tout simplement pour que le tin soit mis d'un mode puis remis d'un autre, parce qu'en fait ça fout la merde. Avec l'autre apply ça faisait pas la merde, mais là ça fout la merde. Donc du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais demander deux gros panneaux solaires. Mais pourquoi t'en demandes autant, deux? Parce que les deux là vont faire en sorte que va me produire en fait de la chaleur, va être converti. Les EU vont être convertis en RF via un mode qui s'appelle converteur énergie, qui se trouve ici. C'est comme converteur énergie converteur 3, mais lui, du coup, c'est la version 1.10. Donc c'est quasiment la même chose, sauf qu'il y a des petits trucs qui ont changé. Et du coup, déjà, il n'y a pas d'interface pour voir qui c'est qui fait quoi. Donc du coup, j'ai dû chercher pendant plus d'un quart d'heure qui c'est qui fait quoi. C'est un petit peu chiant à dire comme ça, mais en fait, voilà, je vous montrerai juste après. Et dans la zone de mécanisme, c'est un petit peu la merde. Tin. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il y a, le tin? T'es pas content? Allez, attends, tu peux le faire automatiquement. Ah, c'est vrai, il faut peut-être le commander d'avance. Ton tin. Je vais t'en commander 2000, tiens. Je vais te bouffer du 2000. Je vais voir ce que tu donnes. Conduite. Un conduite et un petit chest. Je vais le faire en mode semi-yolo. Comment tu veux que je le fasse en mode semi-yolo? Bah, vous avez un élite. Vous faites ça, vous faites ça. Voilà. Et c'est du tin de méca ici. Hop, hop. Voilà. Alors, vive Torcherino, hein, parce que je l'ai mis avec. Donc, du coup, bah, t'as l'énergie qui descend à une vitesse grand V ici. Ça demande environ 8000 kilo RF. Bah, 8 kilo RF, donc ça fait 8000 RF par. Pour le tout, en fait. Et ça va plutôt vite, hein. Faut dire ce qui est. Il faudrait un petit boost supplémentaire ici, ça pourrait être tellement bien. En tout cas, ton tin, tu vas le sentir ici. Voilà, il y en a 1000 de plus. Alors, on va faire le petit quantum cette fois-ci. Bah, les deux petits quantum. Alors, il faudrait que je rajoute. Après, il faut voir où le mettre. C'est surtout ça le petit souci. Je devrais faire un énorme crafting pour ce genre de craft. Parce que je vais en avoir besoin, je vais en avoir pas mal besoin dans le proche temps. Parce qu'en fait, les heaters, c'est bien pratique. Ça demande de l'énergie, forcément. Mais derrière, on peut mettre des belles choses. Alors, j'aurais pu utiliser les solars de Solar Flux, qui fait que les draconiums te génèrent jusqu'à 500 000 RF par tick. Donc, ça veut dire au bout de 4 ticks, il te sort 2 Go RF pour tous les heaters.
C'est vrai, mais vu le prix, vaut mieux passer par ça. Alors certes, c'est pas la même puissance de, on va dire, de feu, mais dans tous les cas, c'est plutôt pratique. Alors, qu'est-ce qui lui manque encore? Du tin. Mais non, mais t'es pas sérieux, je t'ai foutu tout le tin. Attends, faut 2300. Oh ouais, non, mais en même temps, si t'es chiant, qu'est-ce que j'y peux, moi? C'est moi, il n'arrive pas à les. D'accord. Il y avait un petit chouïa de problème. Alors lui, tu vois, l'énergie descend. C'est un petit peu plus, un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Au pire, je ferai ce qu'il faut. Lui, continue, hein. Vas-y, fais ta vie, fais ta vie. 2300, on va attendre 2400 et puis je vais lancer les quantums, voilà. Alors ça c'est un petit peu chiant, tu vois, c'est le traitement. Je sais plus si dans Replay 1 ça demandait autant de temps. Peut-être pas en fait. Ou peut-être que si, parce que le craft là il démarre de zéro. Avant il démarrait seulement de quelques panneaux déjà faits. Là il demande quand même, il démarre depuis zéro quand même. Ouais, faudrait voir. Faudrait voir, faudrait voir. Allez, vas-y. C'est assez chiant, hein, c'est assez long surtout. Mais dans le principal des cas, ça va. Donc vaut mieux pas se faire d'écho quand tu es en 90% de simulation. De simulation. Parce que c'est assez long. Normalement, là, il aura tout pour faire. Parce que je lui ai envoyé tout le tin nécessaire. Il y en a plus de 3000, à mon avis. Ça devrait le faire. Hein, je dis, ça devrait. En fait, c'est une genre d'interface qu'il fallait faire. Là-bas pour le converteur, ici il fallait mettre une interface pour lui dire que le tin envoyé c'est égal le tin de méca. Le tin IC2 est égal le tin de méca. Et. Il suis pas assez. Attends, 237 000. Le premier CPU. Ah ouais. 1024. Genre j'en ai un encore à 1024. Ah ouais, il me manque déjà pas mal de choses. Eh bah ça tombe bien, moi qui voulais en rajouter. J'ai un 1024 dans le réseau? Oh. C'est pas possible ça. Je les ai pourtant tous virés. J'ai un 1024 dans le réseau. Pourtant, je le vois pas. 1024 bytes, 64K, coprocessing, crafting. Ouais, non, il. Je sais pas où est-ce que t'as vu ton 1024K, toi. Toing. Ça va quand même vite ici, hein, heureusement. Je sais pas où est-ce qu'il a capté. Bon là, ça c'est la créative parce que c'était pour le truc IC2. Mais c'est assez chelou. Où est-ce qu'il a? Ah, elle est là, la 1024. Ah, d'accord. Mais pourquoi il la capte pas d'ailleurs? Ouais, c'est chelou ça. Eh ben, ça va plutôt aller vite. Je fais juste une ellipse et le temps de faire tout ça. Bon, bah voilà, les 64K sont faits, hein. Il a pas fallu extrêmement longtemps. Toi, je vais te cancel. Tu sais quoi, parce que. T'as plus beaucoup d'énergie, mais par contre, tu le craft super vite. C'est ça qui est un petit peu chelou. Du coup. Et pourquoi pas, je ferai un énorme truc exprès. Oh, c'est un 4. Ah oh, putain, je pensais que c'était un 3. Ah oh bah mince, il va falloir que j'en refasse un. Et voilà, du coup c'est fini. En fait, j'ai préféré faire des coprocessing. Pourquoi? Parce que du coup, lui, il permet de faire des multiples tâches en même temps.
Les 64K, en fait, j'en avais juste besoin d'un seul, hein, pour être au top du top. Mais du coup, tu vois, je vais juste mettre ça pour qu'il soit déjà un très beau petit réseau, tranquillou. Je vais pouvoir mettre ça. Hop, et voilà. Donc du coup, c'est déjà un très beau réseau. Bon, ça se voit qu'il va dans le sol, en fait. Ça veut dire qu'il va vraiment plus loin. Et maintenant, si je veux demander un quantum, bah déjà deux quantum, alors le temps que ça se fasse. Bon, du coup, mon revoilà, donc il fallait que je refasse encore du tin. Il en manque un. En tout cas, il en faut beaucoup. Donc j'ai changé là-bas, j'ai plus mis un export bench, mais j'ai mis une interface pour lui dire qu'un tin IC2 fait un tin de méca. Comme ça, je suis tranquille au cas où s'il en manque. La preuve, il en manque. Et il va y avoir 784 circuits à faire. Il va y avoir une chienne. Oh putain. Ah ouais, il en faut quand même du scénarium, hein. Oh la vache. Des copper, cable, ah bah. De toute façon, hein, il n'y a pas le choix, hein. T'es le seul, seul survivant à faire. Et en plus, il en faut deux. Donc du coup, ça va. Sticky Rising, finalement, je vais en avoir pas mal. Des Nether Stars, j'en ai besoin que 8. Available. 10K, 10 200 Lowstone. Eh bah c'est parti, mon kiki, hein. J'adore le truc qui ne suit pas. Bon, en fait, il suit, mais attends, Chirino fait en sorte qu'il a du mal à suivre. Franchement, au prochain épisode, j'enlèverai le mode. Parce que, bon, en fait, c'est super beau, y a pas à dire, le mode est super bien, sauf qu'il a besoin de performance un petit peu plus encore. Bon, bah, c'est plutôt cool. Ah ouais, en fait, il arrive pas à extraire le tout. Il va falloir que j'extracte un petit peu le tout. Hop, viens ici toi. C'est lui, hein, ouais. Voilà. Va déjà extraire un petit peu plus vite le pépère. C'est déjà pas mal. Voilà. Du coup, il va être plus content. Lui, bah lui il est full, bah je suis plutôt impressionné, il est full. Bon, en même temps, vu les deux panneaux solaires que je lui ai foutu sur la tronche, c'est un petit peu normal. Ah oui, c'est quasiment de l'instant. Ah bah oui, sachant que je passe par ça. Ça, en fait, ils sont connectés en direct sur les ports, en fait, là. Sur des ports comme ça, et du coup, en fait, on voit pas le truc qui descend. Puis c'est un peu buggé, ça aussi. Alors bon. En fait, du coup, les scénariums, vu qu'il en faut un million, voilà, il faut un million de EU, ça le fait quasiment 110. Il y a 640 000 EU par tick qui rentrent dedans. Donc, vous voyez, la conversion, en fait, c'est super cool. Elle est très pratique, la conversion. D'ailleurs, j'avais pas mis le chauffage. Si, mais je sens un vachement froid d'un coup. Donc, bah lui il est en train de se faire son petit réseau. On va aller voir un petit peu dans le méca, là-bas. Il y a deux quantum, hein. L'avantage, tu vois, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ou 8 opérations. 9 avec celle-là. 9 opérations par tick, hein. Donc, du coup. C'est ça, c'est pour ça que les co-processing, en fait, c'est très important. Ça permet de rendre le processus moins long. Tu vois, il faut 14 minutes environ pour le faire, hein, pour faire deux panneaux. Et encore, il n'a pas compté les compresseurs qui. Bon, ça va, je les ai augmentés. Mais voilà, lui, tu vois, les sticky rising, il est en train de les faire. C'est des rubber. Il en a encore 4000 à faire. Vois-tu, tes 14 minutes, tu vas les passer en 45. C'est un petit peu le même principe. On part dans notre monde. Attention, mini lag. En fait, je devrais plus le mettre en 60 FPS, le LP1. Je devrais le laisser en 30 maintenant. Enfin, bref. Bon, en fait, j'encode à côté. Donc, du coup,
Hop, je reviens en 64. Ça dépend en fait des choses. Du coup, ici, j'ai fait mes sources d'énergie à gogo. Vois-tu, j'ai mis un quantum ici. Et le quantum, en fait, me permet de transférer toute l'énergie nécessaire là-dedans. Cependant, tu vois, il est un petit peu, bah, un petit peu vide, le pépère, parce qu'il faut 1000 et quelques RF particules. Alors, je me demande, est-ce que je vire ça et je mets du immersif, sauf que l'immersif, en fait, il ne convertit pas. Et du coup, ça permet de faire chauffer. Ah oui, il y a même plus d'eau en plus. Alors, il y a de l'eau quelque part, il n'y a plus d'eau de l'autre. Ah, ça s'arrête là. Ça doit être un bug graphique parce que normalement, ça doit chauffer. Alors lui, il est full, hein, ça c'est pas trop un problème. Eux, ils sont full aussi. En fait, ça sert à rien ce truc. Bah, ça sert à rien de le mettre là, c'est surtout ça. À mon avis, je devrais les mettre sur les côtés. En fait, s'il y en a deux là, par exemple, je fous un heater dans le coin. Histoire de dire coucou, je chauffe cela. J'en mets 2, 3 et puis yolo. Parce que là, en fait, si on va au bout de la ligne, je suis quasiment sûr qu'il chauffe pas. Hein. Ouais, il chauffe pas. C'est ce que je dis, il chauffe pas du tout. Donc, du coup, je vais devoir les déplacer. Qu'est-ce que ça en dit ici? L'eau, il est full. Il faudrait juste des speed upgrades pour les mettre dessus. Le brine, il est en cours de production pour nous produire en fait du lithium. Voilà, on est à demi-tank ici de lithium chargé, donc c'est plutôt cool. La preuve, hein, on a 250. Faut aller à 512 pour qu'il soit plat. Du coup, il faudrait que je fasse les speeds. Alors ça, du coup, ça ne fonctionne pas comme je veux. Ça m'aurait pas étonné de toute façon. Alors du coup, vous allez me dire, mais pourquoi ça sert de faire des panneaux solaires si du coup tu pètes ça? Ah bah j'en sais rien, tu vois. Je suis un petit peu comme toi, je suis en mode, je fais quoi? Et bah la preuve, je vais faire quelque chose. Il est en mode énergie, forcément. Hop. En mode wrench. Voilà. Voilà, comme ça, il va aller jusqu'ici. Et on détruit le tout. Allez, allez, allez. De toute façon, c'est pas grave le panneau là-haut. De toute façon, à un moment, il va virer. Donc, du coup, c'est pas trop un problème. Voilà. Oui, forcément, je suis un petit peu plein. Voilà. Bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je vais me prendre juste un petit chest parce que je suis un petit peu plein. Voilà. Voilà, comme ça, je vais me foutre un petit chest tout tranquillou, pepperoni. La petite builder wand, je vais la remettre là. Alors, c'est pas mal, hein. C'est quand même beau le petit truc ici, hein, un petit coin. J'ai bien fait de le prendre. L'avantage du panneau là, c'est qu'on peut les détruire comme ça. Parce que sinon, il se loot en casing basique. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va se faire un petit peu de dépannage, les gens. Voilà. Voilà, tac. Ouais, en fait j'ai tout laissé en mode comme ça. Voilà. Ah. Voilà. Hop. Bon, je vais voir pour me mettre une facilité d'accès ici. Donc je reviens. Je vais tout setup un petit peu pour éviter les attentes trop longues et puis je vous retrouve tout de suite.
Religion, du coup, alors j'ai un petit peu changé le truc. Alors ce que j'ai fait, c'est tout simplement les hitters. En fait, j'en ai mis 5 pour 4 tours. En fait, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est divisé en 4 pour 4 tours. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait le calcul que cela en fait puisse chauffer un petit peu l'intégralité de tout. En même temps, tu vois, j'en ai mis un en fait pour lui, un pour lui, ainsi de suite, et le cinquième en fait, il fait le tout. Je vais modifier ça. Hit, voilà. Faut que je le modifie en fait. Donc, l'énergie arrive par ici et le thermique en fait va par là. Pourquoi j'ai fait comme ça? Déjà, je trouve ça beaucoup plus compact. Déjà, je lag moins. Ça, je trouve ça magnifique. Je suis à 75 FPS au niveau de ça. Bon, des fois, je redescends, mais bon, c'est tout à fait normal parce que c'est lié à le déplacement. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Déjà, c'est déjà un très bon point. Et comme il n'y a pas une longueur excessive de câble de méca, du coup, bah, ça lag encore moins. Et du coup, tout le monde est content. Voilà. Hop. Là, je remets en mode wrench. Donc, ceci étant bon, lui, maintenant, il va falloir de l'énergie. Eh oui, il faut bien de l'énergie pour le pépère. Moi, ce que j'avais peut-être pensé. Du fait que les fibres, en fait, on en a une quantité astronomique, et sachant qu'on va mettre 3 panneaux solaires, les 3 panneaux, j'enverrai bien un au milieu, un encore plus au milieu, et un ici, voilà, par là. Je trouve ça vraiment magnifique, je fais tirer un câble fibre qui s'étend sur tout. Donc, du coup, je vais me prendre. Ah bah non, les converteurs, ils sont là. 1, 2, 3. Ah, il y en a que 3? Ah bah oui, c'est vrai. Il y a le IV, il y a le celui-là, il y a celui-là, et la fibre qui va juste au-dessus. Voilà. Donc ça c'est des RF. Alors les RF, bah forcément, vous connaissez les bails, ça va ici. Voilà. Alors c'est normal quand ça pose, en fait, ça lag un peu. C'est un lag spike. C'est les updates de blocs dans Mecha. Et heureusement que j'ai fait ça dans un monde tierce. Pourquoi? Parce que tout simplement, et tu vois, en plus j'en garde. Tout simplement, ça me permet d'éviter les petits problèmes dans la plantation. Voilà. Tu vois, producteur, machin, et puis ici je vais mettre un panneau solaire, etc. Hop, touc, touc. Et comme ça peut pas se lier, c'est ça que je trouve ça magnifique, et bah c'est très compact. Alors, vive les frises, hein, moi je te le garantis. Et du coup, du fait qu'il y a ça comme ça, hop, il n'y a pas d'énergie, les panneaux solaires, je vais pouvoir me les mettre sur les ceux-là. Donc du coup, en fait, c'est même plus simple. Du coup, les panneaux, je vais en mettre un là, un là, un là, un là, un là. Donc ça veut dire en 5 panneaux solaires. Évidemment, l'énergie, la température des heaters, je vais pouvoir l'augmenter. Donc du coup, au niveau des panneaux solaires, je vais en faire 5. Là, il y en a 2 autres qui sont. Tu vois, depuis tout à l'heure, il s'est passé 1 heure environ. Voilà où ça en est. Il dit toujours 5 minutes. Le truc, pas du tout long. Pas du tout. Bon, en même temps, il doit faire quoi? 128 panneaux solaires? Ouais, voilà quoi. Donc ça fait un bras quand même, hein. C'est surtout ça en fait qui est lent. On pourrait passer des câbles. Ouais, on pourrait limite enlever un tiers des crafts si j'avais tout passé en version machine. Comme les câbles, par exemple. Les câbles, ça en fait, ça part via des cutters, mais on pourrait les faire via la machine qui fait tout le reste en fait. Et là, du coup, il attend juste les iron plates pour tout faire. Ah bah oui, parce qu'une fois qu'il a ça, il va falloir ça. Donc il va falloir au compresseur. En clair, t'as pas fini quoi. En principe des cas, t'as pas fini. Je viens de me faire craquer ma cervelle. Et du coup, pouf, je vais me le foutre là. Donc t'as de l'énergie qui rentre, hein, forcément. 1 million de RF. Et du coup, ça permet de faire pas chauffer le tout. Bah oui, je suis con. Faut que je le mette en mode énergie sortant. En fait, parce que sinon, il voudra pas. Voilà. Et du coup, il sort l'énergie. Il va falloir que je fasse pareil pour cela.
Et après, tu vois, bon, certes, c'est cher un panneau solaire. Je vais pas dire le contraire. Un Quantum, c'est surtout le truc ultime. Après, je pourrais limite en faire juste un. Pas bridou, mais. Comment? En solar panel? Solar panel. On est en Quantum, je pourrais le faire en Ultimate en fait. L'Ultimate, je sais plus combien il fait l'Ultimate. Après, il faut 8 Quantum pour 8 Ultimate pour faire un Quantum. Je sais plus combien il fait lui. Je crois qu'il génère du 2048 constamment et il sort du 512. Voilà, bon, un petit peu tout le tas. Il y a pas mal de meubles. Hein. Bon, en même temps, un petit peu du plat partout, hein, mais je suis quand même dans un temple de un temple guardian, donc bon. Donc ça, bah ça c'est plutôt pratique. Hop, je vais pouvoir virer ça. En fait, là, ce que j'attends, alors oui, j'ai augmenté aussi ça, j'ai mis des speed upgrades partout. C'est pour ça que en fait, ça a duré plus d'une heure parce que j'ai dû mettre des speed upgrades partout et lui, en fait, il est assez long pour le faire, malgré que j'ai mis un torcherino et 4 speed. Bon. Il est un petit peu long. J'ai mis un export ici pour avoir l'eau. L'eau du tank, la fameuse eau que j'attends depuis longtemps. Bah, en tout cas, ça se remplit. Donc ça, c'est plutôt bien. Du coup, voyez-vous, en fait, ça se détruit toutes les sources d'eau qui est en dessous d'elle. Et du coup, bah, ça me fait des sources d'eau à vitesse quasiment illimitée. Ah oui, celle-là, c'est un petit peu con par contre, tu vois. Voilà. Celle-là, je vais la laisser. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait une source non infinie. Alors, je peux laisser le bloc au milieu, c'est pas trop un problème. Parce qu'il y a des sources sur le côté. En tout cas, c'est bien plus pratique. Du coup, voilà, j'ai des sources d'eau. Donc, ça fait beaucoup de sources. 5, 10, 15, 17 sources par tick, hein, qui sont envoyées. Et encore, il y a les speeds. Donc, je les compte pas. Du coup, ça remplit mon petit tank tampon. Ici, le brine se fait tranquillement et notre lithium se fait assez rapidement, donc c'est plutôt cool. L'eau va forcément aller pleine. Bon, après, ça sort forcément en fonction de la chaleur qu'on lui envoie. Donc là, il y a 312, ici 326, c'est normal puisque c'est lui qui est en priorité sur la vapeur. Et une fois que lui, en fait, il a fond niveau température, ensuite il passe à l'autre qui se trouve juste derrière et puis il rebelote. On va dire c'est comme ça. Du coup, il est tout tranquille, mignon et tout ce qu'il faut. Lui 328 et l'autre derrière, du coup, du fait qu'il y en a deux, il a 326, le 313, le 312. Donc ça fait tac, tac, paf, paf. Voilà. Donc ça fait un 4. 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Du coup, moi j'attends mes autres panneaux pour lui et lui. J'en relance deux autres pour lui et lui. Et puis comme ça, bah, on aura déjà des tours plutôt pas mal. Alors c'est vrai que les panneaux solaires auraient fait le taf, mais comme j'ai pas la place pour les mettre, fallait bien que je me débrouille. Et ici, du coup, bah forcément le brine ne suit pas, puisque derrière, en fait, ça ne suit pas. Oh, sauf ici. Ah d'accord, il y en a une qui... Ah oui, j'ai pas mis de speed chez eux. Ah non, j'ai pas mis de speed. Et d'ailleurs, pourquoi c'est pas lui en priorité qui se remplit par rapport à l'autre? Elle est bonne celle-là, tiens. Tu vois, il y a que Brian, et puis lui, en fait, il se remplit. Il se remplit doucement, mais en fait, une fois que lui il est rempli, du coup, il passe à d'autres, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et vu que la chaleur augmente, du coup, on va être tranquille. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose dans cet épisode? Je ne sais pas, parce que je pense que ça va faire déjà pas mal au niveau de l'épisode. Tranquillement. Alors oui, on avance tranquillement. Oui, on avance tranquillement. Mais disons que c'est pour vous faire un petit peu durer le plaisir. Le plaisir. Le plaisir ultime du... Faudrait que je détruise ça parce qu'il me sert plus à rien ce truc-là. Se voit pas du tout qu'il y a les tours de méca à côté. Ouais, c'est bien les tours de méca du coup qui faisaient laguer, hein, donc. T'avais raison, celui qui me l'avait dit dans les coms, que c'est bien les tours du méca qui font laguer. C'est un petit peu con, hein, mais bon, c'est méca, quoi. Ils adorent quand il pleut, ça se transforme, moi aussi. Bon,
Sur ce, on va se laisser là. Moi, j'attends mes panneaux solaires parce que, bon, c'est pas que, mais. En fait, il est en train de les compresser là. Il est en train de les faire en advanced à l'œil. Tranquillement, start teleportation. Pouf. Ça lagouille un peu et ça va mieux. Ça les envoie là-dedans, tu vois. 90 000, on va dire, semi-tours par minute. Donc ça va, c'est plutôt rapide. C'est un petit peu lent encore, mais bon, j'ai pas trop le choix. Ah oui, et puis comme il doit faire les compresses. Ah bah non, il les a déjà fait. Bah oui. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Faudrait que j'envoie du rubber en mode auto là-dedans. Parce que le rubber, ça en fait 3. Faudrait que je lui envoie du sticky resin en mode auto. Ouais, je pourrais le faire. Hein. Du fait qu'en fait, là-dedans, il n'y a que du sticky qui peut y accéder. Pourquoi pas, je le ferai en auto, tiens. Hop. Voilà. On va se foutre un petit export. Hein, parce que bon, YOLO. Je vais quand même mettre une capacity card au cas où que j'ai besoin éventuellement de mettre quelque chose. Hop. Voilà. Card, card. Sticky. Tiens, d'ailleurs, en parlant de sticky, j'ai regardé Recousco. Ouais. T'as vu, hein, mon enfance est des fois très lointaine. Mais ça fait toujours autant plaisir. Et voilà, ça l'envoie. Ça l'envoie en mode auto. Je vais récupérer la petite cocotte derrière. Ah oui, c'est pour envoyer là-dedans. Le port, il est pas buggé, c'est magnifique. Il y a un tank d'eau là. Ouais, c'est cool. C'est plutôt cool. Et du coup, voilà. Bon, bah, du coup, sur ce, messieurs, dames, mademoiselles et autres, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Sur ce, bisous. N'hésitez pas à like. Dites-moi dans les coms si vous l'avez, si vous avez aimé. Et du coup, bah moi j'attends mes panneaux. Voilà, ça va durer encore très longtemps. J'aime bien parce qu'il dit 17 secondes. Ah ah! Attends, j'attends de voir qu'il arrive à zéro. Juste pour le fun. Sept, six, cinq, quatre, trois, 2, 1, 0, banané! Voilà. Mais il continue toujours à craft. Voilà. Hein? C'est classe. Bisous.